Coucou YouTube, me revoilà pour une nouvelle vidéo théorie sur la chaîne et il y a de quoi dire. Donc on a eu des nouvelles sur le fameux jeu Reignitis, souvenez-vous, qui est fait par Furyu. C'est un studio qui a été fondé en 2007 je crois. Donc ils ont pas fait que du jeu vidéo, hein. Ils ont commencé avec des figurines et de l'animé, hein. Et si vous me voyez avec un grand sourire comme ça, c'est que voilà, on retombe dans cette période où, que j'aime bien. Au niveau news, t'as rien forcément à voir avec Kingdom Hearts, mais, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à cette annonce-là qu'on a eue par rapport à Reignitis. Donc, on a cette collaboration officielle, ça y est, on a eu une petite farce du studio pour un poisson d'avril, en avril dernier, hein. Un petit poisson d'avril qui faisait avec un superbe artwork sur... The World and Waveview qui collaborerait avec Reignitis, hein. Et ben c'est officiel, ça y est, Reignitis et The World and Waveview sont une réalité, vraiment, et ce n'est pas un hasard. Croyez-moi, on va vraiment peser et ça va être très intéressant. Même moi, je me dis, mais pas possible, c'est pas possible. Si ça se confirme, là on peut dire vraiment. Vous avez parlé de transmédia il n'y a pas longtemps par rapport à Kingdom Hearts et tout. On aimerait bien voir des trucs un petit peu autres que les jeux vidéo ou voilà, des trucs un petit peu différents. Et ben, on peut être surpris de la manière de comment ils amènent ça. Maintenant, c'est officiel. Si on sait que Nomura est derrière du coup The World and Waveview, il est forcément d'accord avec le studio Furyu qui s'occupe de Reignitis. C'est simple. C'est simple. On peut pas se casser la tête plus que ça. Il est au courant. Il est en accord avec le studio, je pense. On n'a pas encore vraiment de trucs officiels par rapport à... comment dire, son engagement par rapport à tout ça. Avec la théorie que je vais vous faire dans cette vidéo, voilà. Et donc, c'est parti pour ce nouveau Memoria Theory. I swore I will survive. Genova Project approved. Fear no blood. I will never be a memory. Alors, je sais même pas par quoi commencer, tellement il y a de choses à dire par rapport à tout ça. Hein. Je vous avais déjà parlé des ressemblances par rapport à Final Fantasy Versus 13 et Reignitis. Hein. Il y a beaucoup de similitudes entre ce qu'on nous avait montré avec Noctis et Marine. Hein. Donc, Marine, c'est le héros de Reignitis. Ces parallèles qui sont faits par rapport à ça. Et du coup, Verum Rex, indirectement aussi, avec le personnage de Yozora. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà parlé dans un précédent live et dans une vidéo que j'ai faite pour essayer de montrer un petit peu ces liens, voilà, inconsciemment, hein, pour ma vision en tout cas que j'ai de tout ça. Hein. Et on va creuser un petit peu ce sujet-là. Et vous allez voir que ça ne peut pas être qu'une coïncidence pour moi. C'est tellement évident. Même si ça peut paraître complètement farfelu, bien sûr, hein. On peut théoriser là-dessus. Voilà. C'est une interprétation, encore une fois. Hein. Que ce soit sur Final Fantasy VII ou sur le reste, c'est des théories. Voilà. On évalue des situations, on essaie de voir comment que les choses peuvent correspondre les unes avec les autres. Voilà, on cherche des liens possibles. Et donc, c'est ce que je fais en essayant voilà, de théoriser là-dessus et dans ces vidéos. Voilà. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime. J'aime rechercher les choses comme ça, voilà, être un petit chercheur, et ça me plaît. Voilà. Et donc on va commencer avec le principe donc, de Reignitis. Qu'est-ce que c'est Reignitis? Donc Reignitis, c'est un jeu de rôle, hein, action RPG, qui se déroule dans un Tokyo moderne, donc dans un cadre un petit peu contemporain, futuriste si on veut.
Et dans cet univers, la magie existe, avec des personnes qui sont capables d'utiliser cette magie, qui sont un petit peu en marge de la société. Donc il y a un petit peu ce cycle jour et nuit, où justement les êtres humains normaux n'ont pas le droit, par exemple, de sortir la nuit. Apparemment, il y a aussi des genres de brèches qui s'ouvrent dans cette réalité-là, avec des êtres qui viennent d'ailleurs, et qui attaquent cette réalité, et c'est là où ces magiciens, potentiellement, défendent un petit peu, on va dire, cette réalité, mais ils ne sont pas tous apparemment bons. Et c'est pour ça que c'est régi par une société, on va dire, qui s'occupe de ces cas-là, quoi. Hein. Et ça se passe à Shibuya. Voilà. C'est un des plus gros liens qu'on peut faire avec, bien sûr, du coup, The World and Wave You, mais pas que, hein. Bien sûr, on en reviendra plus tard, mais pas que. Donc, on avait cette vidéo avec des distorsions qu'on a eues en teaser pour Renaltis, hein, pour nous teaser une possible annonce par rapport à quelque chose, avec la fameuse tour qu'on a dans Shibuya, hein, avec le numéro donc 109 qui était flouté. Et puis après, on se rend compte, donc avec la collaboration avec The World and Wave You, que le 104, que le 109 se change donc, du coup en 104, qui fait le lien que Marine, dans Renaltis, se retrouve projetée dans une autre réalité. Et qu'est-ce qu'on a comme thème dans The World and Wave You? Donc on a le Real Ground dans The World and Wave You, le RG, hein. C'est le plan d'existence qui peut être vu par les êtres vivants dans Shibuya. Le RG et le plan existe juste au-dessus de l'underground, donc c'est le UG, ce qui permet donc aux personnes de l'underground de voir les personnes du RG, et pas l'inverse. Donc ils sont prisonniers dans une réalité où ils ne peuvent pas interagir les uns avec les autres. Les êtres vivants ne peuvent pas interagir avec les autres, donc les autres réalités. Donc quand tu te retrouves enfermé dans cette réalité-là, c'est comme une prison. Et donc, pour atteindre le RG à partir d'un autre plan, un être doit changer sa fréquence pour qu'elle corresponde à celle du plan. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? On l'a déjà vu dans Kingdom Hearts 3 avec le monde de Toy Story. On a un monde complètement créé par l'organisation 13 et donc Xehanort, hein, où il enferme des personnages dans cette réalité-là, sans aucun autre humain visible. Où il n'y a que Woody, Buzz et certains personnages qui sont visibles dans cette réalité-là, par choix, pour leurs expériences, pour connaître le cœur, etc. Donc, ça veut dire que Xehanort arrive à créer une réalité pareille, comme le fait certains personnages dans The World and Wave You. On peut faire ce parallèle-là, et avec ces principes. Vous allez voir que ces principes-là vont s'inscrire dans Kingdom Hearts. On apprend des genres de dimensions, en fait, par rapport à différentes couches de réalité. Et c'est exactement le même principe que dans The World and Wave You. Ça, c'est plutôt étrange. Vous allez me dire que... Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu chelou quand même, quoi. Et c'est quand même marrant qu'on puisse noter que Yuzora nous est teasé dans la Toy Box. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie de faire ces connexions-là avec ces différentes réalités. Et je pense savoir vers où ils essaient de nous emmener avec tout ça, en fait. Si maintenant Marine se retrouve dans la réalité du Shibuya de The World and Wave You, je pense qu'on peut penser que ces différentes couches peuvent par moments se connecter, en fait. Où certaines personnes peuvent être projetées dans ces réalités-là. Et donc on a tout ce concept dans Missing Link là, avec des scientifiques qui apparemment cherchent des trucs dans des réalités, d'endroits où des personnages peuvent se projeter. Et du coup, je commence à comprendre le délire par rapport à Kingdom Hearts 4. Il y aura les mêmes thématiques par rapport à Quadratum. Donc je commence un petit peu à comprendre pourquoi du coup The World and Wave You dans Dread Drop Distance est connecté avec Kingdom Hearts dans un certain sens, et qu'on a des personnages comme Joshua, tant spéciaux par rapport à ces principes-là, et qui contrôlent
ces réalités-là. Hein. It started. Wow. Where's your portal? Huh? It takes something special to jump between grounds without one. Who are you? My name is Joshua. Are like gateways that link up our worlds. Apparently, the world you and I are standing in right now, well, there are two copies of it. It's been sort of split in half. Portals are what let folks like us cross between them. In their world, something happened that brought their existence to an end. To keep them from fading altogether, I gathered up the very last remnants of their dreams and looked for a place to give them refuge. It was then this world appeared to answer my call. Joshua, just who are you? Let's say a friend. Et donc on connaît le principe de la ville de Traverse dans Kingdom Hearts, qui est en fait un refuge pour les âmes égarées où certaines personnes peuvent se retrouver dans ce monde quand ils ont perdu leur monde. Et c'est intéressant de noter que Joshua prend ce monde comme repère et comme refuge pour ses amis. Et si vous regardez bien dans la ville de Traverse, dans le premier Kingdom Hearts, il y a des boutiques avec des costumes dedans, et ces costumes font référence à l'ère victorien. Et c'est peut-être pas un hasard non plus. Faire le lien avec ça, on peut le faire aussi avec Missing Link. Le player se retrouve donc dans le monde de Scala Ad Caelum. Le monde fonctionne aussi comme un refuge, et je suppose que Scala Ad Caelum de Missing Link se retrouvera en fait être peut-être la ville de Traverse, en tout cas ce qu'il en reste. C'est pour ça qu'on l'assimile à ce principe de refuge. En tout cas, je parle du Scala Ad Caelum de Missing Link. Hein. Ça va prendre du sens, vous allez comprendre. Je vous suggère vraiment de jouer à The World and Waveview, le premier et le deuxième. Hein. L'histoire est assez prenante, c'est intéressant, c'est vachement intéressant. Je pense que ça va se connecter, que ce tout va se connecter à un moment donné. Et ça sera intéressant à voir. Et je suis là pour ça. Franchement, j'ai hâte de voir ça se concrétiser, ce serait vraiment énorme. Et du coup, dans ma théorie, dans tout ça, qui tire les ficelles derrière tout ça? C'est la grande question que je suis en train de me poser. Qui a un pied un petit peu partout comme ça et qui tire les ficelles depuis le début? Je commence à me dire, est-ce que le maître des maîtres ne serait pas derrière tout ça en train de, on va dire, de manipuler un peu ces réalités-là pour chercher apparemment des potentiels porteurs, peut-être futurs porteurs de la Keyblade pour son plan. Donc souvenez-vous, pour Sora dans Kingdom Hearts 3, il se fait bannir de sa réalité parce qu'il a touché un tabou, donc sur la mort, et il se retrouve projeté dans cette réalité-là de Quadratum. C'est assez étrange. Et du coup, on peut aussi penser que Joshua, donc ce sont en fait, attention spoiler encore une fois pour ceux qui n'ont pas fait The World End Review, hein, Joshua est symbolisé comme des personnages angéliques et qui font peut-être référence à la lumière. Je suis en train de me monter une théorie en me disant que ces personnages-là en fait représentent peut-être ces êtres de lumière. Donc on sait que dans la mythologie de Kingdom Hearts, c'est un combat contre les ténèbres, contre la lumière. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que on va avoir ce principe de lumière qui va s'installer dans Kingdom Hearts 4? Donc le maître des maîtres, lui, à mon avis, dans son enfance, a dû être un dommage collatéral par rapport à ces ténèbres et ces lumières-là. Et là, je pense qu'il essaie de se dépatouiller par rapport à tout ça. Donc il a un pied entre les ténèbres et un pied entre la lumière. Dans Kingdom Hearts, on a exploré donc le thème du cœur dans le premier Kingdom Hearts. Dans Kingdom Hearts 2, on a exploré le thème du corps, donc avec les simili, hein, les corps vides, dépourvus de cœur. Et je pense que dans Kingdom Hearts 4, on va explorer le thème de l'âme. Et ça va être très intéressant parce que qu'est-ce qui est montré dans The World End Waveview, les ennemis, qu'on appelle les échos, sont en fait des agrégats d'âme qui attaquent ceux qui sont enfermés donc dans l'UG, je crois, dans l'Underground.
donc ceux qui sont enfermés pour faire le jeu du Reaper, hein, donc le Shinigami Game. Et ils sont là, donc les Reapers, donc, à affronter ces âmes, ces échos. C'est étrange. Et du coup, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est pas une forme donc d'existence comme le Maître des Maîtres a pu le faire dans, par exemple, dans Union Key Cross, quand le monde disparaît, quand le monde tombe dans les ténèbres, il a réussi à sauver donc les manieurs de la Keyblade en les transformant en rêve en fait, donc en Dream Eater. Enfin, on le sait officiellement, donc c'est inscrit dans le lore de Kingdom Hearts. Les Dream Eaters qu'on voit dans Dream Drop Distance sont les anciens manieurs de la Keyblade disparus, morts, dans Union Key Cross, pendant la guerre des Keyblades. Donc on peut faire tous ces liens-là, c'est hyper intéressant. Tous ces liens avec l'âme, tout ça, ça va être intéressant. Parce que le sujet en fait principal va être la mort. Dans Kingdom Hearts 4 et Missing Link, je pense qu'on va, toucher à ces principes-là. Missing Link va nous installer donc, ces principes de couches de réalité dans lesquelles qu'on va explorer, en fait. On va avoir un certain lien avec Quadratum dans le futur, à savoir que, du coup, on nous a teasé The World End Waveview dans Kingdom Hearts avec Dream Drop Distance. Et Joshua nous parlait déjà de ces réalités différentes. Riku et Sora sont déjà divisés dans Dream Drop Distance par des réalités différentes. Ils peuvent se voir, mais ils peuvent pas se parler, ils peuvent pas se voir. Et qu'est-ce qu'on a comme principe? Donc le principe de Kingdom Hearts 4, c'est le principe de l'irréel, le monde de fiction. Où là où la voix ne peut pas porter. À la fin de Melody of Memory, on a Xehanort qui nous parle de ce principe-là aussi. Il sait où se trouve Sora. Who are you? Show your face. In the end, you were destroyed by my hand, paving the way for Sora's disappearance. This world was created from the memories contained within your heart. You seek clues to Sora's whereabouts by using your memories of him to search through your own heart. But there's nothing for you to find here. I'm afraid the answer you seek lies in memories that are long gone. Ah, look who joined us. As I thought, your voice can't reach us here. Now I'm certain of where your heart is. Tous ces principes ont été expliqués dans Kingdom Hearts. Donc le principe de l'unreality, donc le monde irréel, ça va être des thématiques qui vont se connecter avec le reste. Franchement, si ça se confirme, ça va être une dinguerie et j'ai hâte de voir ça. Donc je voulais vous partager toute cette voilà, en ce moment je suis à fond dedans. Depuis qu'on a des news sur Missing Link, je suis à fond dedans. C'est enfin, on a un retour de la licence Kingdom Hearts. La bêta de Missing Link prend fin donc demain, donc le 10 mai. Donc je pense qu'on va avoir une bande annonce dans la foulée et ça va être intéressant aussi. On peut avoir une bande-annonce et on a ce fameux cinquième chapitre qu'on n'a pas reçu apparemment dans la bêta, mais qui fait qui va parler justement de ces distorsions que l'on peut voir dans Missing Link. こちら Freya, 聞こえますか? よかった。無事にアストラル界に到着したみたいですね。
我々のいるスカラードカイルムの街と似た景色に見えるでしょ？それは、レイヤー効果によるものなんですが。まあ、それはまた今度説明しますね。アストラル界は、無と有とがつながる世界。先ほども言いましたが、私たちの世界に現れるハートレスの多くは、アストラル界の歪みを通じて現れています。ハートレスは、人の心を奪う心なきもの。躊躇せず倒してください。Et ce serait intéressant de savoir que si dans Missing Link, peut-être qu'on aura une collaboration avec The World and Wave U, Renaitis peut-être indirectement, parce que Renaitis sort en juillet au Japon. Il me semble que c'est en août ou en juillet, je ne sais plus. Mais voilà, il sort dans pas très très longtemps. Ils sont en train de nous installer le lore de Kingdom Hearts 4 avec des petits messages cryptiques mis un petit peu à droite et à gauche. Franchement, j'ai hâte de voir ça, quoi. C'est très enthousiasmant. Et ben voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo théorie vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez et à mettre bien sûr la petite cloche pour être averti de mes futures vidéos. Hein. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous fais des gros bisous. Partagez la vidéo aussi, hein, c'est très important. Ça sert beaucoup donc, pour partager, hein, on va dire, l'algorithme de YouTube surtout, parce que bon, ça a un peu éclaté sur YouTube. Voilà, donc des gros bisous. Portez-vous bien et à très vite sur la chaîne. Des bisous.